C'est pas ça, bro. Absolument, je vous parle d'une journée magnifique que j'ai passée avec Harri Vatanen en ouverture du Tour Auto. On est parti de Paris et on devait aller jusqu'à Saint-Malo en une journée en passant par le circuit du Bugatti au Mans. Autant vous dire que le programme déjà a été fantastique et ça a été certainement une des plus belles journées que j'ai pu passer dans ma petite carrière d'aventurier automobile. Deux choses à noter, c'est que dans cette vidéo, c'est surtout, je veux vous partager quelques anecdotes qui ont fait que cette journée a été juste magique. C'est pas ultra complet parce que c'est une journée très riche, très chargée qu'on a eue et j'ai pas tant filmé que ça. C'est très difficile parce que pour le coup, j'étais un vrai copilote avec un roadbook et des informations à donner de manière constante à Harri. Et de ce fait, je n'ai pas pu vous faire un reportage ultra complet, chargé d'images, etc. Donc, si vous voulez vraiment tous les détails, je vous invite à aller lire les articles que j'aurai écrits et qui seront dans la description sur Planète GT. Pour le reste, laissez-moi vous raconter un peu ce qu'il s'est passé. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on était au volant d'une BMW M4 coupée édition Manicourt, une voiture limitée à 10 exemplaires qui est vendue dans un pack à 180 000 € qui contient une moto BMW et une montre BRM. C'est une voiture qui fait 450 chevaux, qui est équipée d'un pack performance et de petites modifications spécifiques à cette édition Manicourt. C'était certainement la seule voiture édition Manicourt qui devait rouler dans le monde et particulièrement sur le Tour Auto. Donc rien que pour ça déjà, on se sent un peu privilégié. Il va l'écouter la voiture. Ah ouais, attends. Sur le Tour Auto, en fonction des étapes, il y a des sessions qui sont des spéciales. Au stop, on continue tout droit sur un léger gauche. De manière générale, le Tour Auto, l'idée, c'est pas d'aller très vite, c'est de rouler à allure en respectant le code de la route, tout bêtement. Et par moments, il y a des sessions sur circuit avec de la vraie course, des sessions chronométrées qu'ils appellent des spéciales. Et on est arrivé sur cette première spéciale où là, on me donne un roadbook spécifique. T'as remis à zéro, remis oui. À zéro. Ah oui, tu veux. Ouais, c'est bien, parfait. Et donc, je me retrouve à être, pour le coup, un vrai copilote dans une portion où techniquement, il faut rouler vite, d'Harri Vatanen. Et là, c'était entre le rêve et un peu la pression parce que du coup, le roadbook est assez spécial. Il ne vous donne, enfin, je crois qu'il ne vous donne pas toutes les informations concernant la route fermée sur laquelle vous êtes. Donc, j'essayais de donner un peu les informations à Harri tout en gardant un œil sur le compteur kilométrique pour savoir à peu près à quelle distance arrivaient les prochains virages, tout en essayant de kiffer le moment d'être à côté de Harri Vatanen au volant d'une M4 coupée qui envoyait 450 chevaux, qui faisait un son magnifique, tout en voyant le public nous regarder. Harri leur faire coucou. Ah, c'était fantastique, c'était de la folie, du bonheur, c'était une tuerie et ça s'est bien passé, on a fini notre spécial tranquillement et Harri ne roulait pas comme un fou, donc c'est pas des images de dingue, mais c'était juste du plaisir. Pas loin de 1 minute, plus rapide que ça, ça te donne une idée, ça te donne une idée de vitesse. Après ça, on est arrivé au Mans. Le Mans, les 24 heures du Mans, le circuit Bugatti. Et du coup, on a récupéré des casques et on est parti sur la piste. Et j'ai vécu deux tours avec Harri Vatanen qui était fatigué, qui concrètement à ce moment-là m'a dit qu'il avait besoin de faire une sieste, mais qui a quand même pris le temps pour le public de faire deux tours du circuit. Mais deux tours façon Harri Vatanen, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour blaguer, on n'a pas de temps pour attendre ou quoi que ce soit, on est à peine sorti des stands que Harri est déjà en train de tester les limites de la voiture et on est déjà en glisse. C'est pas ça. Mais pas des glisses, des petites glisses timides, de la grosse glisse, de la glisse de psychopathe. À un moment, des millions de personnes n'auraient jamais rattrapé la voiture, mais Harri l'a fait.
C'est terrible. Et il maîtrise tellement, mais tellement. C'était dingue. Honnêtement, c'était dingue. Ce qu'il faut voir avec Harry Vatanen, c'est que c'est le genre de personne qui attire tellement de monde. Mais peu importe le village dans lequel vous êtes, il y a des gens qui le reconnaissent, qui ont une petite histoire sur le Dakar ou sur ce qu'il a pu leur apporter. Vous retrouvez des gens qui ont plus de 50 ans, 60 ans, le croiser et le vraiment retomber en enfance devant lui. Merci bien. On a croisé des gendarmes qui ont pris des photos avec lui. Vous avez des gens qui ramènent des petites Peugeot 205, des souvenirs de toute sa carrière juste pour qu'il puisse les signer, des gens qui ont fait plus d'une heure de route juste pour voir sa voiture passer. C'est fou, c'est impressionnant. Moi j'étais là à côté et vraiment c'est incroyable de voir ce que signifie Harry Vatanen, parce que moi c'est pas entre guillemets, j'ai pas vraiment vécu avec une culture automobile, donc je connais Harry Vatanen mais je connais pas forcément toute l'histoire et je l'ai connu sur le tard. Donc voir tous ces personnes qui ont quasiment le double de mon âge être émerveillées devant lui, c'était juste fantastique. On a traversé un bon bout de la France en quelque sorte, de Paris à Saint-Malo. Et c'est impressionnant de voir que comment le Tour Auto attire les vrais passionnés d'automobiles anciennes. C'est quelque chose que du coup, comme on était en voiture ouvreuse, on était toujours devant les vrais participants. Donc j'ai pas pu prendre autant d'images que je voulais des voitures anciennes. Mais quand on est arrivé au Mans, j'ai pu me rendre compte un peu de la passion que ça génère. Des gens qui viennent vraiment, pour le coup, en tant que vrais passionnés. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France et que vous remarquez plus peut-être en Allemagne. Mais là, le Tour Auto, c'est de la folie. Il faudra vraiment que je prenne, si possible, le temps de couvrir cet événement pleinement, limite le faire, parce que c'est une folie absolue. Je suis désolé, j'utilise plein de termes extravagants, mais waouh, j'ai découvert un événement de fou. J'y ai pris part, j'étais avec Harry Vatanen et quel homme, mais quel grand homme. Oh là là, c'est le genre d'homme qui vraiment vous dit directement qu'il faut le tutoyer, qui vous montre un énorme respect, qui est très à l'écoute, très attentif, et qui vous offre, qui est toujours dans le don, et ça c'était énorme. C'est ce genre d'expérience qui vaut vraiment le coup, parce que j'en ai rencontré des pilotes, j'ai fait des baptêmes avec des pilotes, mais vous n'êtes pas dans un véritable échange. Et là, passer une journée complète dans une voiture avec un homme d'expérience comme lui, un pilote comme lui, c'est un moment à part que je vivrai pas très souvent et qui méritait quand même une petite vidéo qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais que j'avais besoin de faire. Donc j'espère que ce petit récit, ces petites anecdotes de cette journée en copilote d'Harry Vatanen vous ont plu. J'ai deux vidéos embarquées qui arriveront. Je vous encourage à aller lire les articles que je vous ai faits. Je suis désolé si c'était trop long. Je vous envoie plein de bisous. Merci à BMW France, toutes les équipes qui étaient là, les équipes du Tour Auto. Merci à Harry Vatanen. Merci beaucoup Harry, c'était exceptionnel la journée que j'ai passé avec toi. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Merci, merci, merci et salut à tous. Et il y avait les gens autour de nous, on était au Mans, j'étais à côté d'Harry Vatanen. C'était un moment incroyable, mais incroyable. On s'assoit sur les images, je suis dans une petite émotion. Et honnêtement, dans cette journée, je vais pas vous mentir, il y a quand même quelques instants où j'ai eu les yeux qui ont un petit peu picoté, tellement c'était de la folie.